pratiquement le monde entier à l'heure actuelle mange de plus en plus mal. Et avec la viande, les alcools, les produits laitiers, on a fait toutes, systématiquement, toutes les maladies douloureuses du monde. Il y a des tas de maladies comme ça, qu'on soigne bien, et puis les malades meurent. Ce n'est pas avec des poisons qui rendraient malade un bien portant qu'on pouvait espérer guérir les gens. Journal d'une transition alimentaire, J-8. C'est un copain qui m'a parlé d'une amie naturopathe. Alors elle mange exclusivement des fruits et des légumes, et tout ça cru. Elle s'appelle Irène. En fait, ça fait longtemps que je suis à la recherche d'une alimentation qui me convienne vraiment. Aujourd'hui, mon alimentation, c'est des produits laitiers, des pâtes, du junk food, du fromage, de la viande. C'est vrai que je trouve pesant cette manière de manger, ça pompe de l'énergie, quoi. Je pense sans arrêt à manger. Mes amis m'appellent The Bottomless Pet, c'est-à-dire c'est un mélange entre animal domestique et puits sans fond. Cette Irène m'intrigue, alors on va tenter l'expérience. Quand on vient au monde, la première chose qu'on fait, c'est quoi? C'est respirer. Crier et respirer. On vient au monde, on le quitte dans un souffle. La deuxième chose, c'est l'alimentation. La troisième chose, c'est de s'endormir pour digérer. Et la quatrième, c'est d'éliminer les résidus de cette digestion. Donc à partir de ces quatre lois de base, qui sont la respiration, l'alimentation, le sommeil et l'élimination, nous pouvons enfin fonctionner. On peut vivre. Il est fondamental de le respecter. Nous avons exactement le même système digestif que les grands singes, gorilles, chimpanzés, orang-outans, de qui, paraît-il, nous descendons. Donc, même système digestif, même moteur, même carburant. Et de quoi se nourrissent les grands singes? Sinon de fruits, de feuilles et de racines tendres, et qu'ils ne font pas cuire. Là, je reviens de mon premier week-end chez Irène. Eh ben, un sacré week-end, hein. Elle est lyrique, elle est cabocharde, elle est généreuse, elle est malicieuse, têtue comme une mule. Elle m'a dit qu'il fallait que je me purge. Bon, elle m'a administré une dose d'huile de ricin. C'est ça, l'huile de ricin. Ah, rien que de le voir. Il se trouve que c'est quand même un lubrifiant utilisé dans les moteurs d'avion et au Moyen-Âge, on s'en servait pour la torture. Et ça a été un choc énorme pour mon organisme, c'est un purgatif très très violent, très efficace, dirait Irène. Donc j'ai passé une après-midi à demi-conscient dans une baignoire, j'étais incapable de tenir sur des toilettes. Une fois les effets de la purge dissipés, donc le soir, après avoir absolument rien absorbé de la journée, hein, comment dire, je me suis senti l'esprit très clair, très bien, très, très conscient de mon corps. Purifié, en fait, voilà, ça a marché finalement, puisque je me suis senti purifié. Ce qui m'inquiète, c'est que Irène me prédit des purges à répétition. Puis quoi encore, hein? Ça m'intéresse quand même, parce qu'elle dit qu'en me purgeant, je vais pouvoir progressivement me débarrasser de mes crises d'allergie qui frappent en général au printemps. Allergie au pollen. Parce que là, j'ai tout essayé, hein. Antihistaminique, désensibilisation, bon habituellement à chaque printemps je prends une double dose de cortisone, faut que je sorte ça de mon champ de vision, là, cette huile de ricin, vraiment ça me... Changer d'alimentation, c'est pour ça que je suis allé la voir. Et de là à m'entendre dire que mon corps est une poubelle... On n'est pas malade par hasard, on n'est pas malade à cause des microbes, on n'est pas malade à cause des virus. Les virus et les microbes ne peuvent vivre que dans un milieu où ils trouvent leur nourriture. Dans une poubelle. Mais ce n'est pas les microbes et les virus qu'il faut tuer, c'est la poubelle qu'il faut nettoyer. Et à partir du moment où on donne à notre corps les aliments qui lui conviennent, qui sont faits pour lui, où on nettoie les humeurs dans lesquelles les cellules baignent, eh bien, le regard devient plus vif, l'énergie devient plus grande, et on élimine mieux, et la santé revient. Et la santé, apparemment, c'est la plus grande des richesses de l'homme. J'ai aussi découvert un truc, c'est les graines germées. J'ignorais totalement. C'est proprement incroyable. Ce qui me marque, c'est que mon corps reconnaît manifestement que c'est un carburant optimisé. Je mange ces crudités, ces graines germées, et il y a une sensation d'adéquation complète. Avant, j'aurais croqué là-dedans, ou mangé de la salade,
Et j'aurais marmonné, c'est de la flotte tout ça, quand est-ce qu'on a de la vraie nourriture quoi. Et là je me surprends à manger un bon bol de salade et enchaîner avec du sport sans qu'il y ait la moindre fatigue digestive. Et deuxièmement, sans qu'il y ait de faim, de sensation de faim. Je fais un peu le yo-yo entre la nourriture conventionnelle et l'alimentation crue, végétale, qu'Irène préconise. Pas toujours facile. Mais en tout cas, dans la pratique du sport, ça me semble vraiment efficace. D'ailleurs, chez Irène, il n'y a pas longtemps, j'ai rencontré un ancien handballeur professionnel. Depuis 2005, ça a commencé par un AVC. J'ai eu beaucoup de problèmes pour me remettre de ça. Et ensuite, j'ai été opéré de la carotide. Voilà. Et depuis, j'ai essayé de suivre des médecines parallèles pour maigrir, pour diminuer mon diabète et ma tension. Moi, je demande toujours à mes médecins quand est-ce que je vais manger moins de médicaments. Puisque fut un temps, encore il y a 3 mois, je mangeais 20 cachets par jour. Et on me dit, de toute façon, vous aurez de plus en plus de médicaments, vous aurez besoin, et c'est grâce à la chimie que vous êtes en vie. Ne l'oubliez pas. Dans un moment de ma vie, j'en ai eu besoin, mais il ne faut pas penser que je vais manger de la chimie comme ça pour toutes les années qui me restent à vivre. On m'a donné un régime fait par une nutritionniste de la clinique, et au bout du mois, j'avais perdu 6 kilos, et je n'avais plus besoin d'insuline. Puis après, ça a stagné, je n'ai plus perdu de poids. Jusqu'à ce que je rencontre Madame Grosjean. Et je lui ai dit, des nutritionnistes, j'en ai vu tellement, et je sais ce qu'ils me racontent, c'est toujours la même chose, c'est soi-disant que je mange trop. Et là, j'ai été vraiment stupéfait par ce que j'ai entendu. Stupéfait. Et bien, le régime cru, je n'avais jamais entendu parler de ça, on m'a jamais dit qu'il fallait pas manger de féculents, pas manger de viande et pas manger de produits laitiers. Au contraire, tous les jours, je devais manger 100 g de viande et 100 g de féculents à chaque repas. Et je devais manger 2 fruits par jour et c'est tout. Avec cet ancien régime, je me sentais toujours brimé, parce que j'avais toujours faim. Il fallait manger 50 g de pain, il fallait manger 10 g de beurre. Donc vous avez toujours faim et vous avez envie de manger une pomme, par exemple, vous ne pouvez pas manger une pomme. Parce que si vous mangez une pomme supplémentaire, vous prenez 100 unités de diabète en plus. Aujourd'hui, si j'ai envie d'une pomme, je mange une pomme. Si j'ai envie de manger du raisin, je mange du raisin. Alors qu'avant, le raisin, c'était interdit, la banane, interdit, l'avocat, interdit. On me disait, si vous mangez telle quantité de fruits, automatiquement, votre taux de sucre va monter et il faudra monter en même temps le taux d'insuline. Et l'insuline fait grossir. Donc là, on est dans un cercle vicieux. Et quand elle m'a dit, vous pouvez manger des fruits à volonté, mais ne mangez pas de féculents, je lui ai dit, bah, écoutez, aujourd'hui, je vais manger 2 fruits de plus, et puis demain, quand je vais prendre mon taux de diabète, ça va être énorme. Et le lendemain, c'était plus bas que d'habitude. J'ai diminué ma dose d'insuline, j'ai diminué mes glucophages d'un tiers. Et mon diabète a continué de baisser. La diabétologue m'a dit, bah, écoutez, mangez comme vous voulez, mais surtout continuez à prendre des médicaments. Vous voyez, c'est bien les médicaments qui font de l'effet. J'ai dit non, puisque je les ai baissés d'un tiers. J'ai quand même perdu 17 kilos. Je me sens beaucoup mieux. Et je suis moins soumis à la douleur, quoi. Je sais que la nourriture va me servir de médicament. Je repensais à cette phrase que j'ai lue. Une phrase d'Hippocrate qui est un peu devenue du coup comme un slogan. Que l'aliment soit ton seul remède. Le problème, c'est que c'est bientôt la fin de l'hiver et me passer de soutien chimique, médical contre mon allergie au pollen, ça va pas être facile. Ça ressemble un peu à un parcours du combattant quand même, cette transition alimentaire. Et du coup, c'est pour ça que je suis sur le départ. Pour prendre un peu de recul, je dois aller en parler avec un gars qui pratique Irène et ses méthodes depuis longtemps. Irène me dit qu'il aura des trucs intéressants à me raconter. Bon, alors, il faut vous signaler que Mme Grosjean, ça fait quand même 3 fois que je viens la voir, en une histoire de 20 ans. Sachant que la première fois, c'était pour beaucoup maigrir, parce que j'avais une sciatique qui ne passait pas du tout. Et c'est très douloureux, la sciatique. Et je pesais 104 kilos, pour 1m74, on va dire. Et donc, elle m'a préconisé
9 jours de jeûne. Au bout de ces 9 jours, j'ai perdu entre 10 et 12 kilos. Plus de sciatique. Alors, reprise alimentaire, naturellement, très souple. Et vu que j'avais un métier très complexe, parce que je suis patron de discothèque, de bar, de restaurant, d'hôtellerie, alors la grande bouffe a repris le dessus. Je jouais toujours au rugby. J'ai un grave accident de voiture. Et l'accident, si vous voulez, m'a mis un désarroi terrible, parce que j'ai eu quand même 17 fractures, 11 jours de réanimation, plus de rubis, 40 ans, j'ai dit, c'est foutu. Alors là, je suis tombé dans un truc qui est encore plus grave, c'est la drogue. Je ne me cache pas, je me suis retrouvé en prison. J'ai plus de discothèque, j'ai plus de bar, j'ai plus grand-chose, on va dire. Et ne pouvant plus jouer au rubis et tout ça, j'ai dit, ça va plus aller. Je suis revenu voir Madame Rouge. Et je suis ressorti de la drogue. Et les années ont passé. Et j'étais toujours dans les bars, les restaurants, l'hôtellerie, l'animation, les discothèques. Ça a été l'alcool. 10 ans de folie se bat. Ça marchait à 150 à l'heure, mais on buvait autant que les clients. Et voilà pourquoi il y a un mois que je suis revenu voir Madame Grosjean pour l'alcool. Et ça fait un mois et je suis sorti de l'alcool aussi. Je ne bois plus un pastis du tout, bien sûr, parce qu'en plus je suis en traitement. Là, je suis en diète, hein, c'est comme ça qu'on dit. Pour mon petit déjeuner, un jus de pruneau, des fruits secs. Matinée, plus rien. Mais je vais vous surprendre, j'ai absolument pas fait jusqu'à midi. Alors qu'avant, autant je mangeais un sandwich à 10 heures. Au jambon beurre. Vous savez ce qu'ils disent en ce moment chez moi à Bédaride? Je suis rentré dans une secte. Parce que j'ai coupé net le pastis. J'en buvais 20 ou 30 par jour. Par jour. C'est pas de l'alcoolisme, mais c'était... Non, parce qu'un vrai alcoolique, il boit chez lui. Moi, je bois pas chez moi. Mais comme j'étais dehors tout le temps, ça revenait au même. Bilan saisissant de notre périple à tandem en Islande. Alors, saisissant parce que c'est l'Islande, mais... Par rapport à l'alimentation, on vient quand même de pédaler 3000 km en 3 mois, avec notre bébé Lirio dans la remorque. Sur la route, notre nourriture a été essentiellement composée de crudités et graines germées. Une forme éblouissante, pas de fringales, pas de faim. Excellente performance sportive, disparition totale de la fatigue digestive. Je reste quand même un peu obsédé par les repas. J'y pense tout le temps, mais je me dis que c'est de la gourmandise, quoi. C'est des trucs qui rien ne me donne, ça. Pomme ananas à l'acérola, bref. L'alimentation vivante a un rendement épatant, tout simplement. Bon, j'ai l'impression que c'est un rendement quasi total, c'est-à-dire qu'avant, à manger des pâtes et de la viande, j'avais l'impression d'utiliser plus d'énergie à les digérer qu'elle ne m'en donnait pour faire du sport, alors que là, avec l'alimentation vivante, j'ai l'impression d'intégrer 100% de l'énergie des aliments et de la restituer dans mon effort sportif. Je suis ravi du progrès que les choses suivent, même si ça m'arrive encore de rêver d'un bon plat de pâtes. L'histoire, c'est qu'il faut être outillé. Voilà. La machine à spaghettis. Ah, voilà, les spaghettis. Ça, c'est je vais vous montrer à faire une sauce. Ça vaut 50 euros. 40 euros.
de l'ail, du basilic, des tomates, de l'huile d'olive, des raisins secs, des tomates séchées. Et voilà. Voilà, c'est prêt. La bolognaise est prête. Si elle n'est pas belle, celle-là. Elle est belle et bonne, en plus. Avec ça, un petit peu de citron dedans. Normalement, on met du basilic. Voilà. Ici, nous avons les petits chambongers, champignons faits avec une petite sauce crémeuse faite à base de noisettes, de raisins secs, de tomates séchées, de basilic, d'herbes italiennes. Enfin, c'est bon. Mon gendre qui est américain appelle ça des chambourgers. Ici, nous avons un taboulé fait avec du pané. On peut montrer le pané ? Des racines, des noix de cajou, un filet de citron, du sel ou extrait de bouillon de légumes. Et c'est tout. Voilà le panier, le cher légume de nos grands-mères. Et voilà, on fait là un petit taboulé délicieux avec brocoli et poivrons marinés dans un peu d'huile et d'olive et de citron. Ici, nous avons des graines germées faites avec du persil, des raisins secs, de l'avocat, un peu de tomate, des olives noires. Tout ce qu'il faut pour que ce soit bon. Là, c'est un petit boursin aux herbes, mais sans fromage, sans lait de vache, sans vache, sans brebis, sans chèvre, juste avec des noix de cajou, de l'ail, des ciboulettes et un peu d'agar-agar pour épaissir. Ben là, on a fait avec ça, on a fait des petits craquers de graines germées sur lesquelles on a mis le chambourcin. C'est comme ça ? Et puis il y a les végétales. Et puis des spaghettis bolognaise faites à base de tomates séchées, d'herbes italiennes, d'huile d'olive, de tomates fraîches, des courgettes crues, râpées. On peut faire ça avec des carottes. Ça donne l'impression d'avoir un plat consistant. C'est délicieux. Régal. C'est beau. Quand on peut manger bien. Alors vous voyez, en quelques minutes, vous pouvez faire. Et imaginez le prix de vos biens. D'un côté, je me rends compte avec le recul que je mange environ 2 fois à 2 fois et demi moins par jour qu'avant. Passer à peu près de 5 repas à 2 repas, on va dire. D'un autre, qui dit pas de viande, pas de produits laitiers, dit budget global divisé par 3. Les économies que je fais, je peux en fait les réinvestir dans la qualité de ce que je mange. Enfin, c'est comme ça que je le vois maintenant. J'ai appris aussi récemment que l'industrie de la viande, à l'échelle mondiale, pollue 9 fois plus que tous les transports réunis. C'est-à-dire qu'une fois que tu as dit ça, tu as tout dit. Je suis devenu un végétalien heureux qui est content une fois de temps en temps de croquer une mangue du Pérou ou des dattes du Maroc. Ah, à propos de Maroc, j'ai rencontré chez Eren un jeune Marocain qui pratique l'alimentation vivante et qui l'aborde de manière intéressante et poétique à la fois. Eren et Grosjean, je ne le rencontrerai pas par hasard. Mais la valeur de Eren, je ne le connaissais pas à ce moment-là. J'ai devenu un peu âgé, j'étais vers la trentaine. Et j'ai senti que mon corps ajoute du poids de temps en temps. J'ai continué d'essayer avec le sport, ça freine et ça repart. Et là, jusqu'à maintenant, ça fait presque 10 ans que j'avais les problèmes de poids. Par rapport aux façons de régime que je connais chez les docteurs ou dans les magasins de grande surface, que j'essaie à chaque fois, j'arrive à l'efficacité passagère. Et en même temps, en travaillant, à chaque fois, je rencontre Madame Irène
Et je lui parle de sport et de respiration pour mon fils qui respire mal en plus. Et donc elle m'a parlé de sa façon de manger. Ce n'est pas un régime, c'était une alimentation. Et changer tout ce que j'ai mangé avant. Et j'étais d'accord, j'ai entendu, j'ai saisi bien l'affaire. Et j'ai utilisé ça, et j'ai fait avec elle des stages. Et après 2 mois, j'ai senti mieux. Je me suis senti mieux dans le poids. J'ai porté sur la ceinture 42-44. Et là, j'ai arrivé à porter le pantalon numéro 38. Et pourquoi je sens que c'est efficace? Parce que j'ai dégagé l'allergie. Maintenant, l'allergie, c'est fini. Je me sens mieux. Et je suis sûr, parce que ça fait au moins 3 mois que j'ai senti le changement. Et j'ai arrêté les médicaments Aérus que j'ai prenais au moins, ça fait 1 an. Avant tout ça, ma manière de manger, c'est d'entrer dans les magasins et voir ce qui est présenté. Le pain qui était quotidien, et le couscous, la viande, les pâtes un peu. Aujourd'hui, j'arrête presque totalement. Ma vie, elle est changée totalement. Parce que moi, j'aime la vie, j'ai le goût de la vie. Et j'ai senti que la tête, même la tête, ça change. Le cerveau change. Je comprends ce que j'ai compris. J'utilise ce que j'utilise pour moi d'abord. Et j'ai les preuves. Mes preuves, c'est mon corps. Que j'ai rêvé de l'avoir, ça fait 10 ans. J'aime bien la manière qu'il a, Abdel, de formuler tout ça. Il n'y a pas de prosélytisme, il n'y en a pas besoin en fait. Je suis la preuve vivante que ça me réussit. Et puis bon, c'est valable avant tout pour Irène finalement. Je suis le premier épaté, même si ça commence à faire un moment que je la connais, de voir l'énergie qu'elle a au quotidien, elle est tout le temps dans une forme éblouissante. Je souhaite un bon appétit. C'est la menthe qui donne ce contraste, là, ouais. Qui exprime la saveur. Il y a le sel aussi qui ressortir. Eh bien, on a trouvé tout ça. C'est bon ou c'est pas bon? C'est bon, Irène. Excellent. Délicieux. Mais je suis née en 1930. Voilà, 4 fois 20 ans passés. Mais normalement, nous sommes faits, comme tous les mammifères du monde, pour vivre 5 fois la durée de croissance de nos os longs, c'est-à-dire 5 fois 20 à 25 ans. Mon confrère préféré, le docteur Colucci, à Lisbonne, est mort à 108 ans et il a exercé en toute lucidité jusqu'à 103 ans. Et franchement, je pense que ça, c'est normal. À 80 ans, on n'est pas vieux. Je viens de passer 15 jours en Grèce à manger des concombres et des tomates. Et j'ai encore découvert une nouvelle facette du personnage Irène, c'est-à-dire Irène maman, grand-maman, Irène en famille, en vacances, et on a passé un séjour riche. Je
Ouais, mais Irène, dans cette descente, tu m'as encore une fois scotché. Je me dis que je ferai pas la même chose dans 20 ans. J'ai le sentiment que j'ai actuel. Et pourquoi tu feras pas la même chose dans 20 ans? Tu vois, quand j'ai fait un état des lieux, il y avait des moments où je te sentais plus agile que moi. Oui, mais tu as 20 ans pour rajeunir et pour te remettre en forme. 20 ans pour remercier la main. Et pour arrêter de faire les choses que tu faisais et que tu faisais vieillir avant l'âge. Aujourd'hui, je dois te féliciter parce que tu as pris une grande décision, une merveilleuse décision, qui va te rendre ta liberté. On fait un peu dans la solennité, là. Écoute, ça vaut le coup, non, quand même. Décider d'arrêter d'être esclave d'un mégot, c'est quand même pas une petite affaire. Parce que le tabac, finalement, ce que l'on ne dit jamais du tabac, c'est que dans le tabac, il y a des opiacés, c'est-à-dire des traces d'opium qui calment. Alors il est bien évident pourquoi on fume. Parce que n'étant pas nourri d'aliments vivants qui apportent de l'énergie, il faut des excitants. Et quand notre système nerveux est excité, il a besoin de calmants. Donc viande, frites égale besoin de café, d'alcool égale besoin de tabac. J'en ai eu besoin, je sais ce que c'est, c'est pas une critique, mais c'est quand même pas normal que des êtres civilisés aient besoin le matin d'un coup de fouet pour démarrer, comme un café. Normalement, quand tu te nourris comme la nature a prévu qu'on se nourrisse, le matin on se lève, on n'a pas besoin de café, on n'a pas besoin de thé, on n'a pas besoin de ce poison, qui n'est qu'un chèque sans provision sur notre système énergétique. Tu peux remplacer par un lait de noix de cajou, de dattes, ou bien d'amandes, ou de noisettes, ou des fruits, ce qui t'apporte de l'énergie. Le rétablissement peut être aussi spectaculaire, moi j'ai un peu tendance à en douter quand même. Il faut redresser le terrain, c'est-à-dire apporter les éléments qui manquent et enlever ceux qui sont de trop. Pour avoir la télévision, il faut un téléviseur. Pour téléphoner, il faut un téléphone. Et pour penser, pour être relié à l'intelligence de la vie, on a nos petites cellules cérébrales et nerveuses qui, elles, ont besoin d'éléments qu'on appelle des neuromédiateurs, qui ont besoin de beaucoup de minéraux et que l'alimentation courante actuelle ne leur apporte pas. D'où la chute et la marche à l'envers du monde actuel. Ça va être le moment tant attendu. Tu vois, en bateau, juste avec le ciel, l'eau, la terre. Allez à la mer avec toi, dorer nos pilules au soleil, te passer la crème dans le dos, t'en mettre jusqu'aux oreilles. Philippe, évidemment, tu baignes dans ces pratiques depuis ta plus tendre enfance, quasiment. Vision qui était en quelque sorte dictée par la hiérarchie familiale. Voilà, c'est ça. Quand tu es né dans une famille où ça fait partie du fonctionnement, voire de l'activité professionnelle, tu es forcément, pas forcément sensible, mais tu le vis au jour le jour. La principale richesse que j'ai acquis de mon éducation, que j'ai retenue de mon éducation, c'était cette capacité au fait que rien n'est vraiment impossible. Finalement, peut-être que les limites qu'on a ne sont que les limites qu'on se donne ou que les limites que notre entourage nous donne. Ça, pour moi, c'est ce que vous m'avez appris de plus beau. Et je vous en remercie. Nous, toute notre vie, on essaye le plus possible, mais c'est vrai qu'on se met quand même des limites, c'est dommage. On essaye de travailler sur ça, de supprimer la petitesse de notre regard. De laisser faire. Alors que les principes peuvent paraître un peu contraignants et rigides, ce n'est pas un cadre fermé. Ça ouvre sur des perspectives. À condition toutefois d'avoir la capacité individuelle de faire péter les verrous, quoi. Tout à fait. Mais ça ouvre aussi des perspectives d'espoir extraordinaires. Et qui ne sont pas seulement des espoirs au niveau individuel, mais des espoirs au niveau collectif. En cela que ça remet en cause des fonctionnements qui sont aujourd'hui des dysfonctionnements et auxquels les propositions d'Irène peuvent permettre de remédier pour partie ou en totalité.
C'est une ouverture vers un changement de société. C'est pour être la possibilité de partir sur des bases et où peut-être l'humain, la qualité de la vie humaine serait au cœur de la recherche. Ouais. Allô, Seb ? Ouais. Ben dis-moi, ce soir, donc, si ça vous va, on pourrait se retrouver à Fiscardos sur le coup de 7h30-8h. Bon, ben à ce soir. Ciao. Ok, ben à tout à l'heure. Ciao. Le côté magique du discours d'Irène et de ses méthodes, c'est que une fois que tu en as fait l'expérience, t'as beau vouloir un peu l'oublier, c'est toujours là, tu sais que ça marche, quoi. Tu penses complètement différemment. Qu'un jour tu te sens que ça va un peu moins bien, bon, tu regardes, t'as un week-end, 2-3 jours, tu prends une purge, tu manges light, tu bois beaucoup d'eau, et voilà, c'est reparti, quoi. Et ça change tout. Et ta façon de penser du jour au lendemain, ça change complètement. Après, par contre, le gros challenge, c'est d'arriver à rester dans cet état tout le temps. Mais ça, c'est encore une étape. J'ai eu un accident, on va dire, médical, quand j'avais à peu près 20 ans. Donc j'ai fait ce qu'on appelle, médicalement parlant, une bouffée délirante aiguë. Donc, était dû surtout à une grosse crise de dépression. Je fumais beaucoup aussi à l'époque. Et donc, tout ça, l'un dans l'autre, le lieu, j'habitais sur Paris, sur le périphérique, alors que je suis habitué à vivre à la campagne. J'avais des horaires de travail, donc j'étais à l'école avec des horaires surprenants. Donc, l'un dans l'autre, ça m'a amené à cette situation délicate. Il y a beaucoup de cas où il peut falloir 2 ans ou plus. Avec une période d'hôpital psychiatrique qui peut être assez longue. Et, c'est vrai qu'à ce moment-là, j'ai eu la chance d'avoir donc, ma famille, mes parents, principalement Irène, qui était là. Donc ils ont été très très présents, mais aussi donc ces méthodes d'Irène, donc avec les purges, avec l'alimentation naturelle. Bon, je ne dis pas que j'ai toujours cette alimentation parfaite tout le temps, mais c'est grâce à ça que j'en suis ressorti. Et c'est grâce à ça qu'aujourd'hui, je comprends beaucoup mieux quand est-ce qu'il faut l'utiliser, comment, et donc que c'est indispensable pour mon équilibre. Et que finalement, l'état dans lequel on se trouve, c'est toujours qu'un état d'esprit. Cette remarque de Gilles, ça m'est resté en tête. Quand il dit « les préceptes d'Irène sont porteurs d'espoir », ça me semble essentiel. Surtout l'idée que la portée de cet espoir,
et pas limité finalement à l'individu. Ça me fait penser au film de Colin Serrault, Solution locale pour un désordre global. Ça me fait penser aussi, bien sûr, à la décroissance, à Paul Ariès. Pour moi, tout est lié. Et ça m'a fait penser à Pierre Rabhi, la sobriété heureuse de Pierre Rabhi. Il ne s'agit pas uniquement de ce que je mets dans mon assiette ou dans mon ventre, mais de comment la personne que cela fait de moi, une personne heureuse, bien dans sa peau, en bonne santé, interagit avec le monde, et puis comment le consommateur que je suis façonne le monde. C'est une sobriété heureuse dans l'assiette, quoi. Si on allait lui demander, tiens, à Pierre Rabhi, ce qu'il en pense de tout ça. On a créé un système duel, parce que l'homme primitif, il avait compris qu'évidemment, il ne pouvait pas vivre tout seul et qu'il fallait constituer ce qu'on appelle un corps social. Ce corps social, c'est une globalité indéfectible dans laquelle chaque être est cellule, en quelque sorte, du corps social. Mmh. Autre sagesse, c'est que on sait que l'être humain, dans son fonctionnalité, à partir d'une certaine densité, il se dysfonctionne. Mmh. Il dysfonctionne pourquoi ? Parce qu'il n'est pas fait pour, en quelque sorte, avoir une vision globale du groupe social qui outrepasse un certain seuil. Et dès que ça outrepasse un certain seuil, ça veut dire qu'entre l'anonymat, le non-connu. Et dès qu'entre l'anonymat, entre le préjugé. Et donc les toxines sociales. C'est-à-dire la cité idéale, évidemment, c'est quand le nombre d'individus est un nombre que chacun peut intégrer. Et aujourd'hui, on est dans la nation. La nation, elle a produit de l'anonymat. Ce que l'on a appelé maladie en médecine classique, pour moi, ce sont simplement des efforts de l'organisme, des révélateurs, des signaux pour nous faire modifier ce qui ne va pas. Les voyants rouges, en quelque sorte, je les appelle. Alors on a appris aux médecins à éteindre les voyants rouges sans modifier ce qui l'a fait s'allumer. La caractéristique du paradigme d'aujourd'hui, c'est d'avoir exalté la matière minérale et donc la matière morte. Exactement. Et de ce fait, il a, en exaltant la matière morte, c'est-à-dire qu'on ne regarde plus le ciel, on est penché sur la terre à savoir qu'est-ce qu'on peut extraire de cette terre. Alors, on est rentré dans ce paradigme, mais qui a évolué avec l'homme démiurge, c'est-à-dire l'homme prométhéen, c'est-à-dire l'affranchissement par rapport à la nature. On n'en a rien à foutre de la nature, on va dominer, etc. Il a élu comme maîtresse absolue la suprême rentabilité. Oui. On peut faire tout ce que l'on veut, même détruire la vie, celle de la terre, celle de nos enfants, peu importe, c'est rentable. Oui, ça c'est ce à quoi on est en train d'assister. La transition, c'est vraiment le mot du troisième millénaire. Transition alimentaire, transition énergétique, sociale. Ça confirme que l'expérience sort du cadre de mon assiette. Je suis heureux de conforter le sentiment que le modèle Irène dépasse l'alimentation et suggère de facto qu'on peut gérer les ressources d'une manière qui rejoint la sobriété heureuse de Pierre Rabhi. Je pense vraiment que ces deux-là sont un peu les modèles du 21e siècle. Même si ce sont deux fichus cabochards, prêts à chamailler, littéralement, pour ou contre un bout de steak. Quand on a donné des farines carnées à des herbivores, qu'est-ce qui s'est passé ? Ces pauvres vaches sont devenues folles et malades. C'est exactement le même problème pour les hommes. J'aime bien un bon beefsteak. Oui. On ne peut pas trouver le bonheur dans l'insatiabilité et le toujours plus indéfini. Pourquoi cette société est pourrie aujourd'hui ? C'est parce qu'on n'arrive pas à dire « soyons satisfaits ». J'ai à manger, je suis vêtu, j'ai un toit sur ma tête, je vais bien, ma famille va bien. Et nous on dit « alhamdoulilah ». Je rends grâce à Dieu, j'ai tout ce qu'il faut. Je suis déjà riche. La racine de la sobriété, pour moi, elle n'est pas artificielle. Vous avez chacun une sagesse profonde. Et on peut faire des parallèles fantastiques entre ce qui se passe dans le corps humain, ce qui se passe pour la terre. Humus, humanité, humilité, c'est la substance vitale qui est née du déchet par une alchimie de transformation qui aboutit à redonner la vie.
C'est-à-dire, les feuilles qui tombent redonnent la vie. C'est le cycle éternel. Le problème aujourd'hui, c'est qu'on interrompt ce cycle. Ouais. Ben, il se trouve que dans le système du vivant, dans ce principe fondamental de la vie qui veut vivre, il y a des flics. Le flic, c'est l'insecte. Bien sûr. L'insecte ravageur. C'est merveilleux ce que tu L'insecte ravageur, lui, il va dire, toi, ma belle, il faut que tu disparaisses, parce qu'il ne veut pas que tu procrées. Et si tu procrées, tu vas faire dégénérer. Et toute plante qui engage une dégénérescence est supprimée immédiatement, naturellement. Ça, c'est la loi de la nature. Voilà. Alors, et là, ça rejoint l'histoire du film. Là, vous êtes en plein dedans. Là, on est en phase. C'est le même truc. Là, on est totalement en phase à ce niveau-là. C'est tout à fait pareil. J'ai commencé à comprendre il y a 55 ans. Il y a 55 ans, tu mangeais comment ? Eh bien, je mangeais comme tout le monde. De la viande, tous les jours, parce que sans viande, on ne pouvait pas vivre. Eh bien, avant la guerre, mes parents, mes grands-parents et tous les gens du village mangeaient de la viande une fois par semaine. Mais après la guerre, on a dit qu'il fallait manger de la viande tous les jours. Nous n'avons pas des reins de carnivores qui sont chargés de filtrer l'acide urique produit par toute digestion carnée. Tous les alcools, tous les cafés qui sont des excitants, qui sont indispensables à une nourriture morte et sans énergie. Les produits laitiers, dont on a fait l'apologie aussi après la guerre, quand on a découvert la pasteurisation, la réfrigération, et qu'on pouvait vendre et qu'on pouvait faire du commerce avec le lait des vaches, que la nature a fait pour les veaux, excusez-moi, et rien que pour eux. Parce que nous n'avons pas non plus un système digestif de veau, et il est certain que dans le système humain, le lait des vaches si riche en calcium se transforme en une solution acide qui détruit notre calcium et nos minéraux. Et je me suis rendu compte de ça tout au début où je pratiquais, alors que je voyais des gens avec des rhumatismes, des douleurs, des déformations. Qu'est-ce que vous aimez manger, madame ? Ah, moi, mon litre de lait tous les jours. Qu'est-ce que vous aimez manger, monsieur ? Ah, moi, le fromage pour le calcium. Évidemment, eh bien, plus ils en mangeaient, plus ils étaient décalcifiés et plus ils étaient douloureux. Et avec la viande, les alcools, les produits laitiers, on a fait toutes, systématiquement, toutes les maladies douloureuses du monde. Ravioli de betterave. Aujourd'hui, si je suis obligé de manger de la viande ou du poisson, en fait, c'est comme si mon corps me disait « surtout, n'y touche pas ». J'ai même la sensation que c'est pas comestible, en fait. J'ai accumulé tellement d'informations sur le sujet, de multiples lectures, des enquêtes, des entretiens, des bouquins comme « Faut-il manger les animaux ?» Jonathan Safran-Foer, ou « Barbac », ou encore « Le rapport Campbell ». Quand mon âme est consciente, je ne peux plus cautionner la consommation de produits dérivés des animaux. L'ironie, voire l'hypocrisie de la chose, c'est que si je suis invité chez des copains et que sur la table, il y a un beau morceau de comté, bon, ça peut m'arriver de croquer dedans et de le faire avec bonheur. Le sage dirait, il faut accepter ses contradictions. Une grande satisfaction, en revanche, c'est de constater... Je n'ai aucune carence, mes performances sportives sont intactes, voire améliorées. Enfin, c'est pas qu'elles soient améliorées, c'est que le bien-être dans la pratique du sport est vraiment décuplé, quoi. Pratiquement le monde entier à l'heure actuelle mange de plus en plus mal. La première chose, et ça c'est pas d'aujourd'hui, c'est une vieille histoire, c'est de cuire nos aliments. Puisque quand on les cuit, on détruit leur énergie. L'énergie de la terre, de l'eau, de l'air, du soleil, qu'ils sont censés nous transmettre. L'énergie de la vie, en quelque sorte. Et notre carburant essentiel, c'est de l'énergie. À partir du moment où on a cuit nos aliments, on a perdu leur énergie. Et là, on a remplacé cette énergie par des excitants, dont le premier a été la chair des animaux qu'on a commencé à tuer. Effectivement, la chair des animaux nous stimule, nous excite. Mais un excitant et un aliment... C'est deux choses très différentes. La nourriture des hommes actuellement est de plus en plus cuite, morte, sans énergie, excitante. C'est une nourriture que je qualifierais de meurtrière, puisque c'est elle qui remplit les hôpitaux, les prisons et les asiles psychiatriques.
J'observe aussi un nouveau changement qui m'intrigue. Moi qui suis d'un naturel colérique, volcanique même, je me fâche de moins en moins. Peut-être que l'alimentation vivante m'aide bonne humeur. Tiens, à propos d'humeur, il faut que je note ce que Irène m'a raconté l'autre jour. Si notre corps est composé de 2/3 de son poids de liquide et de 1/3 de cellules, un corps de 60 kg, il y a 40 litres de liquide, dont 5 à 6 litres de sang. C'est le seul liquide dont on parle scientifiquement. Et le reste, on en a fait quoi? Le reste que les anciens appelaient les humeurs. Et pour cause. Eh bien, on n'en a rien fait. Seulement, ces humeurs, c'est le dépotoir, c'est la cave et le grenier de notre organisme. Et tout ce qu'il n'a pas pu évacuer, tous les résidus alimentaires qu'il n'a pas pu évacuer dans ses selles et dans les urines, il les stocke dans ses liquides. Et là... À propos des problèmes d'allergie au pollen, de gros progrès ont été accomplis quand même. Avant, j'étais malade, diminué... pendant tout le printemps, hein, toute la belle saison. Maintenant, j'ai des accès, crises allergiques réguliers et sévères, mais de plus en plus espacées, et entre deux, je me sens complètement bien. Oui, alors les crises d'allergie, j'arrive à les gérer avec le jeûne et le repos. Hein, dans le pire des cas, ça m'arrive de prendre un comprimé antihistaminique quand je suis vraiment coincé par une conférence ou un rendez-vous professionnel. Mais sur l'ensemble, du coup, les accès sont devenus très ponctuels et me ménagent de longues... plage de temps où je me sens vraiment bien. Et il y a seulement 5 ans, ça aurait été inimaginable pour moi. J'ai lu après un article dans Bastamag sur la teneur en nutriments essentiels des aliments et en particulier comment l'industrialisation a fait chuter de manière vertigineuse cette composition en nutriments essentiels. Si je me souviens bien, une pêche d'aujourd'hui contient 26 fois moins de vitamine C qu'une pêche des années 50-60 par la pomme de terre, dans laquelle il n'y a plus du tout de vitamine A, alors qu'il y en avait il y a 50 ans. Et puis, la vitamine C a disparu pour moitié dans la pomme de terre. Bon, en même temps, ce que je voyais dans les caddies aux caisses du supermarché, c'était pas des fruits et des légumes. Hein. Je me demande ce que ça inspirerait à Irène de faire un tour dans un supermarché. Une grande tristesse. Parce que tous ces gens qui ont un caddie plein de faux espoirs, parce que dans ce caddie, il y a des paquets, des boîtes, des paquets pleins de rien. De prétendus aliments qui n'ont aucune énergie, aucune vie. Donc on consomme beaucoup. Et là, évidemment, il y a des gagnants. Purée de fruits, orange, gingembre, épinards, banane. Banane glacée pour faire un petit peu mousseux. Et oui, parce que la transition, elle est avérée maintenant. J'ai complètement changé ma manière de faire à manger. J'utilise plus du tout le four. À peine occasionnellement la gazinière. Par contre, je me suis équipé, j'ai toute l'artillerie. Un extracteur de jus, un moulin à graines, un déshydrateur. Parce que je fais mon pain cru maintenant. Je fais des biscottes crues à base de graines germées qui passent au déshydrateur plutôt qu'à être cuites. Donc ça permet de faire du pain qui n'a pas de gluten et qui n'est pas cuit. Donc tout est intact à l'intérieur, les vitamines, tout ça. Extracteur pour faire des jus de fruits, de légumes et d'herbes. Le blender pour faire ce genre de petites délicatesses. Et c'est pas plus compliqué que de faire à manger de manière conventionnelle, voire même peut-être plus simple. En tout cas, ça va vite, ça fait moins de vaisselle. Et c'est délicieux. Ton activité, c'est ? De refaire de la santé, de permettre aux gens que je rencontre, qui me font confiance et qui viennent me voir, de les aider à réparer les dégâts causés par une civilisation à l'envers. Commencer par réapprendre à respirer autrement que du bout du nez, juste pour ne pas mourir comme on le fait habituellement. Ensuite, donner à notre corps, et ça c'est le plus important, les aliments que la nature a prévus pour lui et tels qu'elle l'a prévu. Après 55 ans de pratique, je dis aujourd'hui que l'idéal est de manger des fruits, des légumes, des graines germées, puisque à elles seules, elles sont
25 fois, 40 fois plus riche en protéines que la viande, 4 fois plus riche en calcium que les produits laitiers, 3 fois plus riche en fer que le foie d'animal, et qu'elle coûte pratiquement rien. Et avec ça, on va réparer la santé, on va donner à notre corps et aux cellules qu'il compose les éléments nutritionnels dont il a besoin. Je ne veux pas tant débattre du fondement ou la légitimité scientifique de la méthode d'Irène, de son approche, que finalement transmettre un message. Ce qu'elle propose, c'est un modèle de vie, ou en tout cas la composante alimentaire d'un modèle de vie qui garantit bien-être et santé. C'est une formidable réponse individuelle aux problématiques qui concernent l'ensemble de la communauté. Peut-être qu'une belle formule serait que inviter le monde à la table d'Irène, c'est autant le rassasier que lui donner le contrôle de sa santé et de son bien-être. Que rêver de mieux ? D'abord, important, le fonds qu'il y a derrière, c'est finalement possible de le louer. Et si on a envie d'un coin de rêve ou juste de parler de naturopathie, villatalassa.com est un bon rendez-vous. C'est local, individuel, a des problèmes qui frappent un peu l'ensemble de la société, pour ne pas dire la planète. Je serais devenue une bonne bourgeoise, bien... avec un bon ventre, bien, hein, je ne pourrais plus bouger, je serais pleine de médicaments. Dieu merci, j'ai échappé.